Moi, j'habite en Palma. Ici, on a un bon climat. C'est un joli endroit. Ici, chez nous, nous plantons du water lily. Water lily, lien membre la famille Nénuphar. Un fleur qui a une beauté exceptionnelle, avec une variété couleur. Tout a commencé comme une allonnaine. Finalement, nous allons à Maharashtra. Et Maharashtra, c'est nous aller pour la culture, l'habillement, se manger, un petit peu pour ce rituel. Et finalement, il y a beaucoup de fleurs de Maharashtra. Il y a beaucoup de plantations. L'endroit qu'ils ont planté, plus beaucoup de safran. Et en même temps, c'est dans nos voyages, nous avons plusieurs endins. Nous avons des endins qui ont beaucoup de fleurs lotus, beaucoup de couleurs. Chaque variété, il y en a différents noms, différentes couleurs, différentes façons de planter. Ils font un bon parfum aussi et ils servent ça dans beaucoup de temples. C'est offert fleurs lotus. De plus en plus, les Mauriciens peuvent développer un grand intérêt pour sa plante-là. Water lily, c'est une plante aquatique, une fleur qui est facile à planter et qui ne demande pas beaucoup de soins. Si tout l'installe facilement dans la cour. Nous sommes fascinés par ça. Quand je suis venu à Maurice, et je pensais qu'il fait une partie de plante comme nous ici. Et finalement, je n'ai pas aucun notion là. Je n'ai pas bonne information sur YouTube, sur Facebook. Et un camarade de Pune qui dit faire une plantation, je me téléphone aussi pour prendre une bonne information. Et finalement, nous commençons à planter. Une autre plante aquatique qui m'a attiré par ça, c'est water lily. Nous sommes ça dans un rite religieux. Et finalement, nous avons envie de planter comme nous. C'est nous faisons un petit peu de recherche, nous avons réussi à gagner. Et maintenant, ça devient un problème, c'est place. Comment nous pouvons planter ça quand nous avons beaucoup de place ici? Et nous avons réussi à trouver une solution. Nous plantons dans la case, dans un bac qui nous coupe. Nous remplissons la terre et nous commençons à planter. Et les enfants viennent d'un coup de main pour faire ce travail-là. C'est la famille entière. Nous tenons à mettre la main dans la pâte et finalement, c'est aujourd'hui ce qui nous est là. Comme là-haut, dans les ressources, nous gagnons beaucoup d'énergie. Et avec ce balflé-là, nous gagnons beaucoup de contentement. Et finalement, c'est nous, toi, il remplit avec sa water lily-là. À première vue, quand du monde pour être c'est pourquoi il peut flotter l'eau de l'eau. Mais finalement, nous mettons la terre, nous mettons fumier vache. Après, nous plantons dans le plan-là. Et doucement, elle allait développer. Et voilà, il vient comment il était aujourd'hui. Il y a un plan qui ne pas demande trop d'entretien. Juste, nous coupons sur une feuille sec. Et sinon, parfois, il y a une lave moustique là-dedans. C'est nous mettre un petit poisson. Nous mangeons une lave là et un gommon. Et quand de l'eau diminue, c'est nous ré-remplir de l'eau là. C'est de l'eau robinet. Au départ, nous tiennons la possibilité d'admirer un nénuphar, lotus et même water lily dans un jardin pamplemousse. Mais aujourd'hui, ça fait là, les fines propasées. Et qu'acclimater jusqu'à ce qu'il nous allie, même dans nous la cour. Water lily, c'est une plante qui contient beaucoup de soleil. Et avec soleil, il y a ce booster, ce vitamine. C'est ça même qui aide pour fleurir et vine jolie. Et sa fleur-là, c'est nous pouvons mettre dans le salon, dans une vase. Et il amène beaucoup de fraîcheur avec
purification dans la case. Un plant water lily, en l'été, il fleurit beaucoup. Et en hiver, il y a un petit peu bien moins. Et par contre, si nous coupons ces fleurs, nous mettons dans une vase, et il durerait 4 jours. Quoi qu'il est dans pied, soit il est dans vase, 4 jours, même il durer. Et c'est, il y a une beauté, comme on dit, en hiver, quand on attend, il en fleurit tellement moins. Comme on dit, si on trouve un, c'est il y a une grande beauté, un plaisir. Après 2 ans et quelques, nous plantons water lily, il finit occupe sa bac qui nous a une plante lila. C'est de recommander qu'il nous ré-racine, nous coupe une racine en plus et nous mettons dans un nouveau bac pour lui faire une nouvelle bouture avec une fleur un peu plus grosse, plus jolie. Lotus, comme vous le connaissez, prend ses racines jusqu'à ses fleurs. C'est n'en est pas été et il y a beaucoup de recettes à faire avec Lotus. Mais Water Lily aussi, c'est ses fleurs, ses cheese, qu'à faire ça sort ou qu'à faire baigner. Il y a différentes façons de nous préparer lui aussi. Nous avons touffé comme un bret de songe et ses pétales, c'est nous qui avons fait une infusion. Il est bien bon pour la santé. Après, nous sommes capables de faire plusieurs recettes et mon madame pour montrer une petite recette avec Water Lily. Avec beaucoup de plaisir, aujourd'hui, je vous présente une recette à base de Water Lily. Normalement, nous sommes capables de servir toutes les plantes là, ça veut dire ce bâton là, nous servir pour faire ça. Mais aujourd'hui, je vous montre avec ce pétale. Nous pouvons tirer un pétale là. N par N, ça veut dire sa bout en dents. Là, nous pas prendre sa bout qui vert là, parce que n'est pas trop bon. Là, nous tiens dit. Mon peut servir blanc là, parce qu'il y en a un petit peu moins parfum. Pour sa recette là, il est un petit peu plus bon. Vous pouvez pas faire l'argelé aussi avec lui, avec les restes couleurs aussi. Ça veut dire peu importe ce rouge, ce rose ou bien mauve là. Vous pouvez servir lui pour faire l'argelé. Voilà, là nous presque fini, tiens nous ban pétale, nous pour rincer un petit peu, nous pour laver, nous pour tirer un petit peu ban impureté qui est dans l'eau lit, et là nous pour continuer avec nos recettes. Et à base de water lily, ce qui nous pourra faire aujourd'hui, c'est un badja, un beignet, comment nous dire. Et pour nous faire nos beignets, nous pour besoin de bessan, un petit peu sel fraising, un petit peu tilani, un petit peu piment lit optionnel, safran et aussi nous allons nous laquer les oignons avec nos jawan. C'est une recette rapide, ça veut dire un petit moment vite, nous sommes capables de préparer. Là, je finis la mon ban pétale. Maintenant, premier item, je vais prendre mon bessan. Nous pouvons ajouter du self-raising, ça veut dire nous ne pouvons pas mettre trop beaucoup de self-raising, un petit peu, juste pour y monter. Nous pouvons ajouter du safran. Comme vous connaissez, le safran aussi, il y en a un bienfait pour la santé. Piment est optionnel. Nous mettons du jawan. Jawan est bon pour la digestion. Nous mettons un petit peu de tilani. Il aussi il a un bon bienfait pour la santé. Et un petit peu de la cuisson d'oignon pour ajouter un petit peu de goût. Et là, nous pouvons ajouter de l'eau. Nous pouvons mélanger. Et suite à ça, nous pouvons ajouter du sel. Et comment je peux tendre là, moi j'ai un petit oiseau, un petit carton vert qui peut faire ta passe toujours, tout le temps. Et comme ça, ça veut dire qu'on nous cause, qu'on nous peut faire quelque chose, nous nous peut occuper avec mes enfants dans la cuisine. Alors ici, il accompagne nous. On bien mélange tout. Maintenant, nous ajoutons tout du sel. Et sinon, je suis capable de mettre ce que j'ai envie là-dedans. Ça veut dire si on veut mettre un petit peu de cotomili, ou les restes ingrédients, ça dépend d'eux. Là, nous la patine prêt, nous poisons nos pétales maintenant là-dedans. Entre-temps, ce qu'il nous faut faire, nous pouvons mettre nos carailles chauffer toujours.
Et là, nous de l'huile in prêt. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, nous mettre nous mal baigner. Pareil comme nous fait badja, ça veut dire nous mettre l'huile, parfait non l'huile, peu importe forme là. L'important, c'est goût. C'est qu'ils sont capables de faire, ils sont capables de faire la pâte un petit peu plus larguée aussi. Là, ils passent un par un pétale aussi. Là, nous tournons, nous laissons frire de l'autre côté aussi. Et je trouvais ça prend là de nier une jolie petite couleur. Si je t'envie, ajoute couleur qui m'aide à manger, ça veut dire couleur jaune là aussi, je suis capable de remplacer. Voilà, nous pakora est presque prêt. Nous pour retirer. Et moi je trouvais, même avec une fleur, nous sommes capables de faire une recette pour nous manger. Ça veut dire, nous, la terre, nous avons beaucoup de richesses ici dans Maurice. Nous avons beaucoup de choses, les restes de plants qui nous sont capables de servir comme nourriture. Jacinto, lui aussi une plante aquatique qui propageait bien vite et qui est connue pour être envahissant. Dans un pays africain, on a un problème avec Jacinto. Jacinto, il y a une plante plus envahissant dans le monde. Il y a un danger dans beaucoup de pays d'infini envahir un lac. Une rivière, de développer tellement vite un plant, vous pouvez donner une affaire comme 100 000 plants dans une année. Donc, une fois qu'il est venu, il vous propose bien vite. Nous désignons l'île dans Maurice. Il y a une bonne reportage qu'il fait dans un endroit, dans Maurice, quand il finit toute la vie par en bas, peinant les autres végétations, peinant poissons, peinant nonia. Mais dans certains pays, ben la récolte, pour servir, qu'il peut faire artisanat, mais également pour faire compost, par exemple. Et Jacinto, il y a un absorbant naturel, nous capables de servir même pour absorber hydrocarbures. Nous promenons dans le jardin Pamplemousse pour faire ou découvrir un petit jardin d'épices et aussi pour admirer le talipot qui en flaire. Aujourd'hui, nous trouvons dans le jardin botanique de Pamplemousse, aussi connu comme le SSRBG, le SSRBG Botanical Garden. L'histoire du jardin a commencé pas à pas, petit à petit, pareil comme tous les autres établissements qui tiennent. Et suite avec l'arrivée de Pierre Poivre à Maurice, c'est que là, Côte-Lune commence à faire une collection de plantes, surtout venant de la route des Indes, du sous-continent. Parmi ce qui plante plus célèbre ici, c'est la muscade. Épices bien rares qui malheureusement pas réussi à trouver de cimé dans l'arrière coup des gens parce que déjà c'est un homme et en même temps d'étier dans ce côté mâle et femelle, des pieds mâles et femelles séparés. Mais la collection du jardin a, au fil des années, il finit grandi et c'est ça qui Maurice aussi nous donne la cuisine. Il y a une variété d'épices qui nous servent. C'est grâce avec la contribution principalement de Pierre Poivre qui fait mettre ça l'élan là.
sa pratique de collection et d'utilisation des épices, c'est quand même en grande partie à cause du jardin botanique de Pamplemousse qui commence comme une collection privée, il faut le dire, au début. Et puis maintenant, c'est quand même un trésor national. C'est aussi l'occasion d'apprécier le talipo. Une de bonnes collections de palmiers, parmi les bonnes collections de palmiers, c'est le talipo. Il y a un spécimen là-dedans qui est en fleurs. Donc c'est un événement qui fait normalement, la légende dit 100 ans, mais au fait c'est tous les 30-60 ans et selon les conditions climatiques qu'il y a en fleurs. Ce qui est intéressant, c'est parmi the big attraction du jardin, c'est sa plante-là, c'est quand même le. L'inflorescence la plus importante, la plus grande inflorescence parmi les plantes. L'inflorescence, c'est quoi? Donc, c'est un bouquet de fleurs. Hein? C'est pas la fleur. La fleur est très petite, minuscule. Donc, une inflorescence, où quand il y a des millions de plantes, c'est une plante très majestueuse, environ 25 mètres de hauteur, sur largeur, sur tronc, comme vous voyez, il y a 1,3 mètres. Et puis, malheureusement, ou bien c'est l'évolution, après qu'il est fini en fleurs, il est fini produire ce banc de la grain, qui est là, beau, sec, après il est remplacé par les graines qui sont tombées au bas. C'est une façon d'évolution et de survie de tout un chacun d'un organisme vivant sur Terre. On est au Jardin des Pamplemousses, qui aujourd'hui est le plus vieux jardin tropical du monde. Donc Pamplemousse est un symbole. Alors pour nous Français, c'est aussi c'est là que Mahé de la Bourdonnais a commencé à faire sa maison et son usine de canne à sucre. En plus des espèces naturelles de Maurice, on y trouve énormément de variétés qui vont dans l'océan Indien. C'est important aussi l'île Maurice et Pamplemousse parce que c'est là que sont passés Commerson, qui était le botaniste de Bougainville. Et Commerson est considéré comme le père de la fleur, de la flore de Maurice. Et la femme de Pierre Poivre est celle qui a inspiré Paul et Virginie, l'auteur Bernardin de Saint-Pierre qui avait écrit Paul et Virginie. Et dans l'expédition Bougainville, il y a aussi une femme, Jeanne Barret, qui était déguisé en homme, parce qu'on n'avait pas le droit d'être sur les bateaux du roi, et donc qui était l'ami de Commerson. Et Commerson a habité chez Pierre Poivre pendant 3 ans avec Jeanne Barret. Malgré les projets, les hommes changent. Après les Français, on a eu les Anglais. Maintenant, c'est l'île Maurice, le jardin de l'île Maurice. Mais les arbres sont toujours là. Ce jardin a un potentiel énorme. Pour moi qui ne suis pas mauricien, hein, c'est un regard d'un voyageur justement, de par son importance, 37 hectares on m'a dit, le personnel qui l'entretient, les présences du passé, mais de les témoignages de ce qu'ont fait les hommes ici, en plantant des variétés, par exemple le manioc, Mahé de la Bourdonnais avait planté le riz, le blé, le manioc, Pierre Poivre on l'a dit, c'était les épices. Et pas seulement, il a ramené des cacoyers, des plantes de Martinique, des ananas, des différentes variétés. Et donc il a un potentiel, parce que d'abord les gens le connaissent, il y a beaucoup de visiteurs, si j'ai bien compris. Et il a peut-être besoin d'être un peu développé au niveau animation. Pour ça, on est très heureux d'être ici, parce qu'on présente l'exposition sur le voyage de Bougainville. Et Simone Sampéré fait explique sa technique de peinture des fleurs et elle est allée plutôt aux alentours, notamment à Pamplemousse, pour montrer sa technique, comment elle peignait les fleurs et qu'est-ce que représentaient les fleurs pour elle. Si on repart de Mahé de la Bourdonnais,
Au départ, c'était sa résidence secondaire. Donc il a dû planter quelques arbres, mais après, comme Maï de la Bourdonnais avait créé le port de Port-Louis, l'arsenal, l'hôpital, il a incité les gens de Pamplemousse, et donc je pense à Montplaisir aussi, à planter pour avoir des fruits et des légumes pour nourrir les gens de Pamplemousse. Et les expéditions de bateaux qui passaient. On avait besoin de fruits et de légumes. Et donc, c'est là qu'il a commencé à mettre le riz, le blé, le manioc. Et ensuite, c'est Pierre Poivre qui a vraiment fait le jardin botanique. Pierre Poivre et Fusée au blé, les deux, pas ennemis, mais amis, les deux qui ne s'aimaient pas, quoi. Fusée au blé était horticulteur. Pierre Poivre était donc missionnaire, mais aussi pharmacien, botaniste. Et donc, il a planté énormément d'espèces. Il a mis 25 ans pour arriver à planter les épices que vous avez dans le jardin. Si j'ai bien compris, il y a encore un muscadier et un giroflier qui sont protégés et entretenus, qui datent de l'époque de Pierre Poivre, donc d'il y a 250 ans maintenant. Donc, au-delà de cette histoire du jardin, et on se sent bien ici parce que on s'enlame, là on a la statue de Pierre Bois. Il y a les souvenirs, il y a les arbres, c'est pas uniquement des souvenirs figés de statues, c'est aussi des arbres qui étaient là, qui ont traversé cette période. Donc on est imprégné par ces hommes qui sont passés là. La trace qu'ils ont laissée, c'est finalement une trace pour le bien-être de tous, pas seulement des Français ou des Mauriciens. Beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers viennent au Jardin des Pamplemousses. Et on respire les échanges qu'il y avait à cette époque et les efforts de ces hommes, même si des fois c'était archaïque, pour implanter le manioc, par exemple, pour nourrir, alors évidemment, pour nourrir les gens qui travaillaient, des esclaves aussi. Il y avait le problème de l'esclavage, puisque la maison de Maï de la Bourdonnais était à l'entrée à côté de la grille et de l'autre côté, c'était la maison des esclaves. Mais quelqu'un comme Fusée au blé, justement, a montré qu'on pouvait, lui c'est en 1761, il a affranchi ses esclaves, il leur a versé un salaire, ils sont devenus travailleurs de son entreprise, il leur a versé un salaire et il a épousé une esclave. Donc c'est des symboles, c'est des clins d'œil, mais je crois qu'on a une époque où on a besoin de symboles et de clins d'œil pour garder un peu l'espoir par rapport au monde de demain, par rapport à nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont trouver, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ici, à Maurice, par exemple, il y a beaucoup de développement. Comment on doit développer? Il y a des projets sur le citron de Rodrigue, par exemple, qui sont très, très avancés. Mais comment aussi on se protège de la montée de la mer, de la disparition des plages et un peu des effets de la déforestation qui peuvent amener des... Ben, ici, il y a un gros problème avec les chauves-souris. Quelle est la solution? Moi, je ne l'ai pas. Mais ça fait partie de, justement, l'intérêt de la mémoire du passé, c'est que les hommes sont venus il y a 300 ans, ils ont eu le même type de problème. C'est-à-dire, comment on va nourrir les gens, comment on va développer une économie de la canne à sucre, par exemple, comment on va développer une économie de l'épice. Ça ne parle peut-être pas aux gens aujourd'hui, mais l'épice, à l'époque de Poivre, ça valait plus cher qu'un kilo d'épices valait plus cher qu'un kilo d'or.